Étape 3, c'est parti, 6h du mat. Important ça, ne pas oublier la crème pour mettre sur les fesses. Sinon ça fait trop mal et là déjà je sens que ça chauffe à chaque fois que je remonte sur la selle. Il y a de l'ambiance, il y a de l'ambiance, le soleil se lève. Du coup, étape 3, aujourd'hui 134 km en autonomie. On a le duvet, on a tout, on va dormir plus ou moins à la belle étoile ce soir. Il n'y aura pas d'assistance ici mécanique. Il y aura, pour ceux qui ont pris l'option, pas de massage, il n'y aura rien du tout. On est tout seul. Merci. Ça repart sur du salé comme hier, Patrick. J'ai pas eu trop faim. 20 minutes avant le départ, ligne droite pendant 130 bornes. Ça va être dur. Et comme j'ai dit, grosse chaleur. Donc on va voir comment on gère un peu la chaleur. On va essayer de se mettre dans les roues. J'ai jamais fait. Chaque jour, je bats mon record de kilomètres. Je sais pas ce qui s'est passé hier, mais apparemment le préventif est un petit peu sorti de mon pneu. Je sais pas si j'ai pris des épines. Il y a quand même beaucoup de produits qui sortent un peu de partout là. Aucun moyen de réparer pour ces deux jours là, on est en autonomie. C'est parti! Ça grimpe. Premier checkpoint, voilà. C'est parti pour une longue traversée là. Je vais essayer de me coller. Allez, on fait l'effort pour remonter là. On avance. Checkpoint water. Voilà le checkpoint. Hop, kilomètre 43. Allez, énorme. Allez, hop. Et merde, j'ai une crevaison. Ah là là. Putain, bah là j'ai perdu mon wagon, là je suis mort. Ça va être chaud là. À remonter tout seul, ça va être compliqué là. Ah là là. La galère. En solo, c'est pas la même là. Personne qui coupe le vent devant. Des fois, j'ai mieux à faire d'attendre un groupe derrière et de me faire tirer. Ah la chance, il y a un checkpoint juste là. Je vais mettre 3 barres dans le pneu arrière au moins. Ça tiendra peut-être jusqu'à la fin. Ah le vent de face, une horreur. Avec eux. Ah le vent, j'appellerai cette route la route de l'enfer. Ça avance pas. Kilomètre 55, même pas la moitié. Il y a un groupe au loin. Allez, non. Ah. Ça rend mal au genou là. J'ai l'impression que c'était pas une bêtise, j'ai eu le coup des ligaments croisés. Voilà. Les biquettes. Ouais, je commence à avoir les ligaments croisés à droite là qui tirent. J'espère que ça va pas me faire mal trop longtemps. Allez, sur la route en solo. Ah, il y a le ravitaillement là-bas, ça tombe bien. Je suis à sec. Voilà. Ah, j'ai plus d'eau. C'est le moment de remplir les gourdes. Et en plus, il y en a qui se sont arrêtés. Je vais pouvoir les rattraper. Je vais me dépêcher. Voilà. Je vais pas avoir deux fois. On va essayer de les rattraper. Ça y est, je viens de passer les 80 km. Ce qui est désespérant, c'est de me dire qu'il reste encore 50 bornes. C'est interminable cette traversée du désert là. C'est long. Bon, je me fais une petite pause à l'ombre d'un arbre. Ça commence à être dur là. Regardez ces arbres là, ces épines. Je me le suis pris dans la main là. Bam, ça m'a fait saigner. Dangereux ici. Prends ça dans le pneu là, t'es crevé direct. Putain, c'est dur. Hein. Ah, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au cul. Encore 50 bornes. Putain, j'y crois pas. Ça fait 4 heures. 4 heures que je suis parti. C'est du vélo de route là, il se passe rien. On pédale depuis 80 bornes sur du plat. Fait mal mentalement et physiquement. Allez, ça repart. On passe dans un petit village. Seul au monde. Ça va pas trop chargé. Mais. Hop. Petit checkpoint. Hop là. Ça y est, je viens de passer les 100 bornes. J'ai trop soif. J'en peux plus. Allez, plus de 20 bornes. Normalement, ça laisse rouler là. C'est encore. Loin là-bas. Dernier kilomètre. Allez. Dernière ligne droite. Ah, 7h03. C'est ça le marathon. So hard. Yeah. So hot. Yeah. And so long and so everything. So yeah. First 10 ouais. Men and merci. 3 women. 40 degrés il a fait. Une horreur les gars.
Ouah, c'était trop dur. Là, je vais aller me laver, pioncer, manger, bref. Et après, vous me voyez plus, les gars. Ce soir, du coup, pas de tente. On dort tous à la Belle Étoile. C'est un peu la particularité. Je sais pas si on va très bien dormir, mais en tout cas, le départ est avancé à 7h30 pour qu'il fasse un peu plus frais. Good night, hein. Demain, du coup, c'est une épreuve de navigation. Donc, il faut rentrer tous les points sur le GPS pour pouvoir se repérer. Avant de repartir, il faut remettre tout le duvet, le sac à dos, tout ça, bref, tout sur le vélo. Il va falloir tout rattacher. Bon, là, je trouve une petite trace, du coup, 134 bornes, 425 de plus et 427 de moins. Ouais, c'est l'autoroute, là, aujourd'hui. C'est un peu long, quand même, 134. Oh là là. Étape 4, c'est parti, en autonomie, du coup, monsieur Chavanel. Comment ça va? Ça va, et toi? Ouais, ça va, impeccable, tu vois. Expérience. Et oui, c'est un peu dur. C'est pas la première fois pour toi, hein. Non, cinquième. Cinquième. Ouais, 4 au Maroc et une à Almeria en Espagne. Ok, t'aurais pas une petite trace pour aujourd'hui à me... Mais surtout qu'il y a de la navigation aujourd'hui. Ouais. Donc moi ça va, j'ai un GPS, tout ça, j'ai parcours avec mon équipe. Essaye d'être dans un groupe, de ouais, pas ouais, te retrouver tout seul parce je vais que suivre. Tu peux être vite dans la pampa là. Ça va être chaud. Vamos a win! Vamos a win! Vamos a win! Let's go! Ça y est, première dune de sable, c'est la galère. Là, on commence à arriver dans le désert du Sahara. Il n'est pas simple à pédaler là. Oh, je vais aller plutôt là-bas, supplanter. Oh la misère, il faut se frayer un chemin là. Il faut se faire gaffe, il y a plein d'épines. Ça tombe, à mon avis, il y a plein de sable. On va prier pour qu'à gauche il y ait moins de sable. On va faire full gaz dans les dunes. Voilà, c'est ça la technique, full speed à chaque fois. Il faut aller vite en fait pour traverser les dunes, mais ça demande beaucoup d'énergie, donc ça bouchonne là. On va contourner, hop là, on a contourné, tout le monde veut couper, mais en vrai je pense que c'est pas le bon plan. Ça va pouvoir rester enfoncé dans des dunes, ça grimpe là. Là il y a le checkpoint là-haut, mais ce qui va être énorme, c'est qu'après on va faire la grosse descente dans le sable. Sacré bordel là. Checkpoint, c'est maintenant que c'est rigolo normalement. C'est parti mon kiki. On va essayer de pas crever quand même. Hop, un peu de sable en arrière. On laisse rouler. Nickel. Hop, hop. Putain, faire attention, j'ai les pédales auto. Bah, tu vois, il y en a qui sont par terre. Je laisse rouler le plus longtemps possible. Voilà, cuidado. Voilà, voilà. Hop, ça roule, ça roule, ça roule. Voilà, voilà, ça remonte là. Ça, c'est ma partie, ça. Et voilà, on a brugé tout le monde. C'était bon, ça. Allez, bah, ça repart pour une grande ligne droite entre sable et cailloux. Là, on est 100% en navigation. Ma trace, elle me dit d'aller là-bas. On va suivre le Garmin. Ici, c'est no man's land. Hein. On est au fin fond du désert. Il n'y a rien du tout. En vrai, je trouve ça marrant, la navigation. Là, si je vais tout droit, tu vois, je peux grappiller encore un peu. C'est marrant, c'est un peu stratégique. Moi, j'ai récupéré, en fait, la trace du team Cannondale ce matin. Donc, normalement, c'est la trace la plus rapide. T'as bête, là. On fait jouer les contacts. J'arrive au premier point d'hydratation. Ça veut dire qu'on est au kilomètre 35. C'est reparti. Pour l'instant, ça va, je déroule. On va essayer de survivre. L'étape est longue et ennuyante, hein, parce que regardez, il n'y a rien. Plus on se rapproche des dunes, plus il y a du sable, forcément, et plus ça va être dur. Bon, là, je prends des risques. Hein. Je m'embarque en solo dans ma trace. Ça a l'air de marcher, hein, mais faut pas avoir de problème ici, quoi. Ça me rassure, il y a un gars qui est déjà passé dans ma trace. C'est juste lunaire. Allez, regardez le décor. Ça y est, je suis embourbé, les gars. Ça passe plus là. Sahara, c'est là. Kilomètre à pied. Ça use, ça use. Faudrait un dromadaire là pour monter dessus là. Et voilà, ça passe. Le checkpoint 2. Là, je dois être vers le kilomètre 50. Et après, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Jusqu'au kilomètre 80 en gros. Là, je viens de penser, ça fait 3 heures. Et j'en suis même pas à la moitié. Là je dois être vers les 50 et il y a 133 aujourd'hui. Pff, oh, l'épreuve. Si encore du sable, on va mettre 7-8 heures peut-être. Ça va être long. Et à partir de là, je crois que on n'est plus en navigation. Qu'est-ce qui se passe? Des boissons et tout? Non. La organisation? Non. Oh. Oh. Incroyable. Ah, il m'a trouvé un jus d'orange qui fait trop du bien. Muchas gracias. Chocolaté? Allez. Chocolat, ouais. C'est incroyable, ils sont pas de l'organisation, ils nous ont sorti les jus d'orange, les coca, le chocolat.
Il a tellement fait du bien avec son jus d'orange, le gars. On ne dira pas à l'organisation, je sais pas si c'était officiel, mais oh, un petit jus d'orange frais, ça repart après. Ouais, t'es à 60 km, je crois. Ravitaillement, nickel. 35, 68 km pour terminer. Profiter pour manger mes petits pains marocains, ou petites crêpes, je sais pas ce que c'est, j'ai pris au petit-déj. Voilà. Nickel. Ça veut dire que je suis au kilomètre 66, ce qui fait même pas la moitié. Ça pique un peu de savoir que j'ai même pas encore fait la moitié. Il commence à faire vraiment très très chaud quand même là. Il fallait repartir parce que là j'étais en train de griller. Et là ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Nouveau checkpoint. Voilà, nickel. Et je sais pas si vous voyez en face là. Waouh, on dirait le truc des États-Unis là. Comment ça s'appelle déjà? Yéhou! Vous vous rendez pas compte en vidéo comme il fait chaud. L'eau dans mes bouteilles elle est tiède. Je pense que ça y est là, il fait bien les 38 degrés qu'ils avaient annoncé. Du coup j'essaie de mettre un peu d'eau sur les jambes, dans le cou et tout, mais faut aussi garder un peu d'eau. À boire de l'eau chaude ça commence à être un peu dégueulasse en plus. Bon, je me rapproche de plus en plus de ce truc, ça m'intrigue. Bientôt passer les 6 heures de course là, 91 km. Kilomètre 101, dernier ravito. Wow. Maintenant ça descend. Voilà. À l'autopista. Voilà, dernier kilomètre. La fin avec Tambuchu. 8h09 minutes les gars. Oh, c'est long. Wow. Gracias amigo. Ça va. Merci. Non, merci. Ah. C'est dur la vélo, hein. Ah, c'est dur. Oh là là. Ah, le camp a l'air incroyable en tout cas. Ah ouais. C'est tellement du bien. Le top, cette petite piscine. Ça, c'est les coulisses de ma journée. Parce que moi, quand j'arrive, c'est pas terminé. Il faut dérocher toutes les caméras embarquées pour pouvoir vous faire cette belle vidéo. Sur la Titan Désert, il y a aussi une épreuve en vélo électrique. J'aurais peut-être dû faire ça, ça aurait été moins galère. Je sais pas s'ils font les mêmes épreuves parce que 113 bornes avec un vélo électrique, je suis pas sûr que ça tienne. Hein. Bon allez, la soirée ça se termine avec un peu de mécanique. Je vais mettre du préventif dans le pneu arrière parce que j'ai pris plein d'épines. Demain, surtout dans les dunes, on part dans les dunes et c'est plein de petites épines merdiques. Et là j'ai déjà vu que en nettoyant mon vélo que ça fuyait un petit peu. Tac. Blindé comme ça. C'est le Paris-Dakar les gars. Ça bosse la nuit. Passe à la chaîne comme d'hab, petit lubrifiant WD-40. Sur ce, à demain les amis.